Donc Carnavélo, une association qui fait la promotion du vélo au quotidien, tous les jours, à Quimper, mais aussi à Cornouailles. Et donc là, aujourd'hui, on organise sur le site de Créagewen un atelier vélo participatif et solidaire. C'est-à-dire que madame va mettre la main à la pâte pour changer donc la chambre à air, pour réparer la chambre à air, et réparer la crevaison donc du vélo de son petit-fils. Voilà, du vélo de Nathanaël. Vélo que j'avais déjà réparé lors d'une animation avec le centre social de Carmoisan, jusqu'au mois de mai. Donc on a passé tous les mercredis après-midi à faire du vélo et également de l'initiation à la mécanique de base à vélo. Et donc j'avais rencontré votre petit-fils, Nathanaël. Et Raphaël. Ouais, c'est ça. Et pendant que l'un faisait un petit tour à vélo, l'autre faisait l'initiation à la mécanique de base. Voilà. Et en plus donc de ces ateliers d'initiation, d'ateliers participatifs, on organise également aujourd'hui là une sortie vélo. Ouais. On a également donc on fait ça aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc là on a tout un groupe qui est parti donc à la Pointe du Raz. Et l'originalité, c'est que tout le monde est parti de Quimper et a accroché les vélos à l'arrière donc d'un car du réseau Penarbel. Voilà. Puisque là donc le conseil départemental a mis donc en service là pour tout l'été. Je crois que c'est la quatrième année consécutive qu'ils font ça. Un service donc de car à l'arrière desquels on peut suspendre jusqu'à 8 vélos. Et ce qui permet donc de rejoindre comme ça les grands sites touristiques que sont la Pointe du Raz. On peut se rendre également donc forcément sur le secteur d'Audierne, mais aussi Pont-l'Abbé, Pamard. Et donc ce qui permet, et c'est ce que font là les gens qui sont partis aujourd'hui avec des adhérents de Carnavélo, ça permet du coup donc de voyager, de faire un petit séjour comme ça en vélo, sans recours à la voiture. Ah oui, c'est sûr. Et donc là, tout le monde rentre ce soir. Ouais. Donc c'est quoi, c'est 2 euros le voyage. Voilà. Vélo et plage.